D'organiser une conférence avec Jean-Claude Benazet sur Redon. Et d'emblée, j'ai dit non. Saint-Jacques-les-Pins, c'est le lieu de convergence des chemins qui viennent des Côtes d'Armor et du Finistère et Morbihan. Donc voilà pourquoi je trouvais que c'était symbolique de venir plutôt à Saint-Jacques que à Redon. Et donc, c'est vrai que là, ça me fait très plaisir de recevoir ce grand bourdon, enfin, celui qui va aller jusqu'à Compostelle. Pour la mairie, pour... Enfin, voilà. Donc, le 21 juillet, vous vous en souviendrez qu'on est passé là. Oui, ah. Oui, pas de souci. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Jean-Claude Benazet. Question 2. Alors, dans notre... Dans notre causerie, il sera question d'un coq et d'une poule. C'est comme ça qu'on est l'histoire que vous allez entendre en Espagne, el gallo y la gallina. Mais en français, on parle plutôt du pendu des pendus. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Comme je le disais à certains à midi, c'est une chanson de marche, donc il faut du rythme. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Oh, chemin de foi, 3 millénaires de l'homme.